quatre personnes ont été douf. Il y a un jeune homme là qui a tiré sur les gens là-bas à Appalachee High School, une école aux États-Unis. Donc les écoles d'à côté là sont fermées. L'école a 1900 étudiants là-bas. Ce jeune homme, il est de là-bas. Voilà. Il y avait des doutes s'il était de l'école. Il est de là-bas. Il n'a que 14 ans. Il a 12, 4 personnes, 9 personnes ou 6 personnes là sont hospitalisées. Les parents paniquent, mais de ouf, parce que on ne sait pas quel est le problème. Apparemment, il y a des news qui disent qu'ils vont le juger comme un adulte, même s'il a 14 ans. C'est mieux qu'il fasse ça. C'est mieux que les gens commencent à juger ces enfants-là comme des adultes. Voilà. Maintenant, on sait qu'il est de l'école. Pourquoi il a fait ça, on ne sait pas. Il a douf un teacher là qui s'appelle Phoenix. Oh my God. Un étudiant à douf là-bas. Beaucoup de personnes sont à l'hôpital actuellement à cause de ce jeune homme de 14 ans. Ils ont eu maintenant à voir c'est qui ce jeune homme. Ils l'ont identifié. Il s'appelle Colt Gray. Donc le mec, il n'a pas résisté hein, quand ils l'ont attrapé là. Il s'est mis. Oh my God. Il a tué deux étudiants et deux professeurs. Voilà, il va être chargé pour meurtre. Et il va être chargé comme un adulte. On ne sait pas où il a eu le pistolet. On ne sait pas pourquoi il a eu à faire cela. Donc, ils sont en train de faire des investigations. Voilà, pour savoir qu'est-ce qui a été sa motivation. Donc, il s'appelle Colt Gray. 14 ans. Il était un étudiant de là-bas. Il s'est donné facilement à la police. C'est pas possible. Donc il y a 9 autres personnes à l'hôpital. Il a 12, 4 personnes et il y a 9 autres personnes à l'hôpital. Il faut qu'on le juge comme un adulte, ça c'est clair. Parce que franchement, c'est abusé. Hein. Il n'y a pas encore de raison pourquoi il a fait cela. Ils vont investiguer. C'est les news qui sont là. C'est des faux ça, on se voit dans une autre vidéo. C'est pas possible.